tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, un haul nose. Donc, je vais commencer. Je sais pas. Je vais commencer par les masques. Allez, c'est parti. J'ai repris un masque de cette marque, un masque miel. Le masque. Donc, de la marque Mask On. Donc, les maisons de Corée. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'en ai repris un deuxième parce que je me dis qu'ils ne sont plus très longtemps. Et celui-ci était à 79 centimes. Ensuite, j'en ai trouvé des comme ceci au gingembre. Alors, attendez, celui à la... Oups, me revoilà. Alors, celui-ci, je vais vous dire, enfin, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Mask On est inspiré de l'héritage de la beauté coréenne. Aux ingrédients naturels, aux diverses couleurs et bienfaisance, nous vous proposons des produits esthétiques qui célèbrent ses qualités. Le miel, riche en minéraux et en vitamines, est un masque qui hydrate la peau sèche et terne. Donc, je l'ai repris parce que masque au miel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, le masque tissu au gingembre, toujours pour 79 centimes. Donc, ce qu'ils disent... le ginseng, gingembre, je suppose, riche en saponine et niacin, est un masque aux effets anti-âge grâce à ses bienfaisances adoucissantes et purifiantes. Donc celui-ci, voilà, j'en ai pris plusieurs anti-âge. C'est ce qu'il faut maintenant, je crois. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs. Donc toujours à 79 centimes. J'ai repris un masque comme ceci. Les masques, vous savez, les masques en 1 minute de chez Jadermine à 79 centimes. Donc, c'est un masque hydratant express en 1 minute. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Plongez dans ce boost d'hydratation pour une peau lumineuse et éclatante de beauté. Conseil d'utilisation. Appliquez le masque sur votre peau sèche et nettoyez en 1 minute votre peau et désaltérez. Sans rinçage, bref, mais intense. Moi, je vous conseille honnêtement de prendre, vous savez, les petits pots voyage qui vendent chez Action. Et ils en vendaient aussi un moment chez Noz, il me semble. Vous savez, le set de voyage où on peut mettre un peu de gel douche, un peu, enfin voilà. Et il y avait des petits pots dedans. Moi, je vous conseille de transvider directement tout de suite dedans, car franchement, vous faites plus d'une journée. Enfin, vous le mettez au soir. Plus d'une soirée avec ça, vous pouvez faire facilement 2 jours, voire 3 jours. Donc moi, je conseille de transvider tout de suite dans un petit récipient pour éviter de le laisser comme ça à l'air libre. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai encore 2 ou 3. Et du coup, j'en ai repris un autre. J'ai également trouvé celui-ci. Je ne savais plus si je l'avais. Donc du coup, je l'ai pris quand même. Donc c'est l'Action, c'est le coconut nourrissant, donc la marque Action comme ceci, qui est pour les peaux sèches à très sèches. Moi, ce n'est pas le cas, mais j'ai vraiment bien adoré le scrub, le masque. C'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. Et la noix de coco, j'adore. Donc du coup, j'ai repris celui-ci. Donc vous savez, il se trouve en 2 parties. Hein, je vous en avais déjà parlé. Voilà. Et j'en avais déjà fait un avec vous. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci que je n'avais pas encore trouvé. C'est le détox. Spa rituel, toujours avec le scrub. Et voilà, celui-ci, j'aurais bien aimé en trouver beaucoup plus. Donc, c'est le spa détox pour peau mixte à grasse. Voilà, celui-ci, j'aurais bien voulu en trouver plusieurs. Malheureusement, il n'en restait qu'un. De base, c'était ceci que je cherchais et j'ai pas trouvé. Donc, ce qu'ils disent, rituel spa détox, besoin d'une bouffée d'oxygène. Débuter le rituel par le gommage au thé vert. Et ensuite, appliquer le masque, ouais, enfin, comme d'habitude. Enfin, voilà. Donc pareil, hein, le scrub. Et puis, voilà. Celui-ci, si j'en retrouve, j'en reprendrai parce que peau grasse, c'est peau mixte à grasse, c'est tout à fait bon. Ensuite, on part sur quoi? Allez, on continue. Ici, j'ai pris un antitranspirant pour l'ouvrir. Voilà. En bombe pour les petits penauds. Alors c'est un antitranspirant, donc ce qu'ils disent,
Spray antitranspirant pour les pieds en 100 ml pour 1,50 €. Il y avait aussi adoucissant. Donc, moi, j'ai pris celui-ci parce que c'est vrai que l'été, on met des fois les petites baskets chines, là, vous savez, en toile, etc. Et j'aime bien, moi, enfin, voilà. C'est vrai que le soir, des fois, il y a un petit peu de transpiration, vu que bah, il a fait très chaud, etc. On a marché, ou quand on va se promener l'été, quand on met les baskets et qu'on va se promener l'été enfin, sur les routes de champs, pas dans les champs, sur les routes de champs. C'est vrai que moi, malgré que je mets une petite chaussette fine, j'aime bien mettre un coup de transpirant, comme quand je mets une botte ou une bottine. J'aime bien mettre un petit coup de antitranspirant sur les pieds avant. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai repris deux vernis. J'ai repris deux dissolvants comme ceci à 99 centimes de la marque P2. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Je vous l'avais écrit sur mes réseaux sociaux. Hein, je vous l'avais présenté dans mon haul Nose. Et j'espérais en retrouver. Donc j'y suis retournée. Et j'étais super contente. Donc j'en ai pris deux. Ça m'en fait trois. C'est déjà pas mal. Pour 99 centimes, il va aussi bien que le Yves Rocher, peut-être même voire mieux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une huile dessus et que ça permet de l'enlever encore plus vite. Ça, je sais pas, ça glisse encore plus vite, ça part encore plus vite. Et pourtant, moi, je mets une base effet gel, je mets une base effet gel. Je mets également des fois des bases. Fortifiante pour les ongles. Ensuite, je mets mon vernis. Bien souvent, je mets des vernis avec un peu des vernis effect gel. Et ensuite, je mets mon top coat, hein, comme vous avez déjà pu voir dans mes vidéos, le top coat effet gel. Donc, du coup, avec un vernis simple, banal, comme on a déjà trouvé chez Nose, il y en a un. Franchement, c'est un gros flop. Et comme je ne mets jamais de vernis comme ça, sans rien, sans base, sans top coat, c'est vraiment de la daube. Donc le jour où j'ai quelqu'un dans la famille qui dit oh non, moi je mets un vernis un coup de temps en temps, et puis voilà, je mets rien, je mets qu'un vernis, j'irai tiens, prends-le, ça peut peut-être te convenir. Mais moi, cela, j'adore, franchement, j'adore. Encore mieux que les Yves Rocher, et pourtant, vous savez que le dissolvant Yves Rocher, j'en fais de la pub. Et celui-ci, top. Vous avez dû le voir passer sur mes réseaux sociaux. Le temps qu'on est dans le dissolvant, bah, on va partir dans les vernis. Donc, j'ai retrouvé les vernis P2 Volume Gloss. Alors, toujours pareil, il n'y en avait plus qu'un. Donc, je ne sais pas, enfin, ils se battaient tous les deux en duel. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Ma fille pensait que non. Donc, je l'ai quand même pris. 0,23 Dancing Ballerina. Ça ne me dit rien, mais bon, je vais quand même vérifier si je l'ai. Ben, voilà, il partira dans un, soit sur mon le groupe make-up et partage entre copines. Voilà, il sera offert, ou alors il partira dans un swap. On a des swaps de préparer, donc voilà. Et il y a le 430, celui-ci. Alors, attends, l'autre, je voulais pas. Je vais le reprendre, bien que vous voyez bien la couleur, mais ma fille était plus sûre. Voilà, il est comme ceci. Et on a retrouvé un verre. Alors, j'avais différents verres. Donc, celui-ci, ce n'est pas un verre. Hein, c'est un gris. Ici, il faut que je les refasse. Hein, c'est dégueulasse. C'était prévu hier, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Celui-ci, c'est un gris. Mais pourtant, quand on le voit porter, on dirait un verre. Et non, c'est un gris. C'est cette marque et c'est un gris. Là, c'est Gel Look Polish. Hein, toujours volume. Et celui-ci, c'est un verre. Je pense que vous le voyez mieux. Vous voyez mieux. Je sais même pas si vous voyez mieux au final. C'est le Deal Hunter, le numéro 430. Voilà. Ils ont quand même sorti. Enfin, moi, je les ai eu toujours. Enfin, j'ai toujours eu un coup de bol. Je les voyais pas par deux, je les voyais par un. Et un dans un autre, un dans un autre. Et on y retournait. J'en retrouvais un dans un autre, j'en retrouvais un dans un autre. Et Delphine qui m'avait trouvé le couleur olive que je ne trouvais pas. Ma fille a voulu prendre. Elle me dit, ouais, c'est sympa. Elle était un petit vernis un peu comme ceci. Donc, elle a voulu prendre la marque Winnie. Moi, j'ai jamais testé ces vernis. Donc, je ne peux rien vous dire là-dessus. Alors, je ne sais pas. Il y a une référence qui dit 01 0001 137.
Attendez, je regarde. Ils n'ont pas l'air d'avoir de numéro. Donc c'est un vernis comme ça. Un peu fluo. Alors je sais pas, à l'écran il fait pas fluo et pourtant il est fluo. Ma fille a dit ça peut être sympa l'été. Bon, pourquoi pas, ça sera plus pour elle, je pense. Ah, le... Oh, il me paraît vachement épais, regardez. Vous voyez, coulé. Et il est comme ceci. Ouais, le pinceau est plutôt bien grand. Bon, elle fera un essai. C'est bizarre. Elle fera un essai, donc 85 centimes aussi. C'est plus pour elle, celui-là. Ensuite, on va passer au savon. Attendez, non, il y a encore un... J'ai repris un basse-côte de chez P2. J'en avais déjà pris un. J'avais bien aimé, donc du coup, j'en ai repris un. J'ai le temps qu'il y en a, je ne vais pas l'ouvrir. À 85 centimes aussi. Voilà, il n'est pas ouvert. Je me dis, voilà, comme j'en ai déjà un qui est à moitié de cette marque, je me suis dit, bon, je l'aurai en backup. Ensuite, on est parti sur les savons. Alors ça, vous savez, hein, c'est des savons que je rachète tout le temps dès qu'il y en a. C'est des savons que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Certes, c'est des savons à 1,49€, mais c'est des savons que je rachète toujours. Donc, c'est des savons bio, enrichis à l'huile d'argan, hydratant, lait frais bio au monoï. Donc là, j'ai pris monoï. Donc, c'est écrit des savons extra lait frais bio, artisan français, fabrication française. Pour 1,49€. Moi, c'est des savons que j'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà eu pêche, j'ai déjà eu pomme, j'ai déjà eu amande, amande douce, citron, fraise, etc. Là, j'ai trouvé monoï. Donc, je l'ai pris. Et alors, par contre, celui-ci, c'est pas du tout le même. À 1,49€ aussi. Celui-ci, qui n'est pas de la même marque. Et cette marque-là, je ne les avais jamais vues. Donc, pareil, c'est écrit Savon Extra. C'est de la marque Kalina Welt Indie Natural Therapy à la menthe. Et il est toujours à 1,49€. Et derrière, il marque toujours Savon Extra. Et il marque Senteur Caribéenne 100 grammes Made in France. Alors, est-ce qu'ils disent autre chose? Alors, savon pur végétal à base d'huile de germe de blé, vitamine E, de beurre de karité et d'huile essentielle. Pas mal non plus, j'avais pas lu ça. Savon pur végétal, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a une marque dessus 18 mois, le savon va faire 18 mois. Ah, mais si, c'est savon de l'artisan, donc ça revient à la même chose. Qu'est-ce qui sent bon la menthe? Je pense que cet été, se laver le visage, que moi je m'en sers principalement pour me laver le visage. Hein, j'utilise du gel douche pour le corps, mais je me lave toujours le visage au savon. Donc celui-ci va pas, il va être plutôt génial l'été, cet été. S'il sent bien la menthe. Et l'autre. Ah, j'en ai déjà eu, savon de l'artisanat. Et si il sent bon la menthe, ça va pouvoir être sympa. Le temps qu'on est ici dedans aussi, donc là j'en ai pris 3. Parce que c'est des petits. De la marque Stella White. Des dentifrices. Everyday. Donc, c'est des Stella White dentifrice dents sensibles. Donc, c'est des petits. Hein, c'est des 50. Attendez. Où j'avais vu ça? Où je l'avais vu? 25 ml. Donc vous voyez, c'est des petits, vous voyez, dans ma main, ce qui donne. Donc voilà. Bon, on va essayer, on en entend parler. Ma fille voulait trouver les sticks blancheurs. Elle avait déjà eu le signal. Elle avait bon, moyennement aimé. Et bon, ça peut être sympa. Elle aurait voulu. Bon, on va faire un très grand nose là en milieu de semaine. On doit aller ailleurs. Donc du coup. On verra, on les trouvera peut-être. Un os qu'on n'a jamais été. Donc, on verra ça. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes les... Attendez. Je ne vous l'ai pas dit 50 centimes. Hein. Je ne sais plus si je l'avais dit.
Je commence à perdre la boule. J'ai trouvé une crème hydratante pour les mains au... L'avant des mandarines. Voilà, je regardais le senteur, je ne le voyais plus. Voilà, donc vous savez, c'est les produits Made in France, 50 centimes. C'est des petits, hein. Ah mince, je vois pas la. Je vois pas la contenance. Je sais pas, je vois pas la contenance. Bon, bref. Donc c'est au couvert des mimines, hein, et c'est l'eau sérène. Voilà. J'en ai pris une pour tester. J'ai trouvé ces petites crèmes. Alors la crème visage hydratante et nutritive en 50 ml appliquée avec un massage doux sur le visage propre pour 1,29 €. Oui, il y a encore la petite opercule, hein, vérifiez bien. Pour 1,29 €, donc celle pour le visage. Donc c'est écrit. Il y a de l'aloe vera, il doit y avoir de la rose musquée et calendula. C'est. Calendula, c'est quoi? Bon, bref. Et ici. C'est une crème pour les mains hydratante, calmante, à 99 centimes. Ils ne sont pas au même prix, hein. La crème pour les mains et crème visage ne sont pas au même prix. Voilà. Hop, toujours avec le petit opercule. Et ici, c'est écrit à l'arnica et calendula. Voilà. Ensuite, je me suis repris un parfum. Alors, cette marque ici, Ulrich de Varennes, c'est des parfums que j'aime beaucoup ici. Donc, c'est des eaux de parfum. C'est en 50 ml et j'ai payé 2,99 €. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté de cette même marque au moment de Noël. Ils avaient fait les petits. Vous pouviez même les retrouver dans les supermarchés. Ils avaient fait des petits coffrets, c'était un parfum en forme de sac à main noir avec le petit vapeau de sac. Je l'ai terminé, j'avais adoré, j'ai trouvé que le parfum sentait bon toute la journée. Le soir, on avait encore l'odeur de parfum et quand on l'enlevait, par exemple, si on en mettait sur son t-shirt ou voilà, sur son maillot et que genre le lendemain, on l'avait posé, voilà, le linge, on l'avait posé et que le lendemain, on prenait pour mettre dans la machine à laver. Écoutez, l'odeur était encore imprégnée sur les vêtements. Franchement, j'avais adoré. J'avais même pris après l'autre, toujours en forme de sac à main, mais le rose. Alors, sur le coup, j'ai hésité à le prendre parce que j'ai dit à ma fille, tu crois que c'est pas encore le sac à main rose? Bah, elle dit non. Elle dit l'autre avait le même nom, ici c'est écrit rêve. Et fait, ah oui, elle est super belle la bouteille. Ils font tout le temps de superbes bouteilles. Regardez, ici. Vous voyez, c'est bien une autre parfum. Regardez la petite le forme, la forme du petit capuchon. Et hop, on l'enlève comme ça. Vous savez, c'est un faux. Il n'est pas fermé. Donc, me voilà, je suis allée chercher le petit parfum. J'ai un petit problème de chute de téléphone, etc. Donc, c'était celui-ci que j'avais pris de chez Ulrich de Varennes en forme de sac à main. Donc, c'est ce petit parfum-là, donc pour 2,49 €. Donc, voilà. Écoutez, là, il est en train de. Je sais pas, une odeur qui me parle, ce parfum. Alors, tant que les autres, non. Et celui-ci, tirait une odeur que je connais. Je sais pas. Et il sent super bon. Maintenant, on va passer à deux petits crayons. Donc, je me suis trouvé des crayons de la marque P2 à 49 centimes. Des crayons contour des lèvres.
comme ceci. Donc c'est des lip liner. Donc pareil, il n'y a pas de numéro. Ah si, numéro 177 Jazz et le numéro 173 Skin. Ils sont plutôt ressemblants, ces crayons comme ça. Alors, celui-ci, donc de la marque P2, hein. Et celui-ci, dans les tons un peu plus nude. Donc celui dans les tons un peu plus nude, c'est le 173 Skin. Donc vous voyez, pour finir, ils se ressemblent quand même vachement au niveau couleur. Et vous voyez la différence sur la main. Bon, voilà. Les petits crayons à lèvres, on va pas en parler plus longtemps. J'ai trouvé de la marque Gétitia. Non, Laetitia. Gétitia. La marque Laetitia Well. Un liner s'écrit 24 heures. Waterproof à 99 centimes. Il est comme ceci. Si vous voulez vraiment un petit très fin, vous voyez. Hop, voilà. Donc 24 heures waterproof. Donc normalement, ça ne doit pas bouger. Maintenant, on va passer à tout ce qui est partie bijoux. Allez, c'est parti. Je me suis trouvé une bague comme ceci à 99, non, à 75 centimes. Voilà, alors elles n'étaient pas emballées. C'est une bague réglable. Elles n'étaient pas emballées. Donc, elle m'a fait au prix de celle que j'ai pris. Donc, vous voyez, c'est une bague à mettre comme ceci. Mais bon, moi je la mettrai plus dans l'autre sens, hein. On va dire que je la laisserai pas, voilà, je la ferai pas partir comme ça, je la mettrai plus dans ce sens-là. Voilà. Je trouve ça super sympa, on peut quand même bouger les mains, etc. Ça couvre bien, voilà, ça peut être sympa. Voilà, on peut en mettre qu'une et voilà. Comme ceci. Ma fille en voulait une pour elle, donc je lui en ai pris une. Par contre, bon, je lui donnerai celle-ci. Par contre, faire attention, regardez si sont bien fixés, parce qu'elle est décollée. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je vais lui reclaquer un petit point de colle, hein, mais vous voyez, elle s'est décollée. Donc, je vais lui recoller, enfin, ou je la garderai pour moi. Ensuite, je vais passer à la partie collier. Je me suis trouvé ce petit collier. Je l'ai mis là. Ne t'en mêle pas. Je me suis trouvé un petit collier comme ceci. Mon fils est rentré. Il rouspète après son chien. Voilà. Donc il arrive bien bas. Et celui-ci, je l'ai payé 99. Non, attendez. Celui-ci, je l'ai payé 1,50 €. Et c'est cette marque Express. Je ne connais pas. Et il était vendu au prix de 6,99 € dans les magasins où il était vendu. Voilà. Donc, voilà. Je le trouve vraiment super, super, super joli. Ensuite, oups, je le pose là. Ensuite, je m'en suis trouvé un à 99 centimes de la même marque. Là, c'est plus un raccou, comme ceci, avec une petite boule à l'intérieur. Petite perle, comme ça à l'intérieur. Petit collier vraiment très fin. Celui-ci, je l'ai payé 99 centimes et il était vendu au prix de 5,90 € dans les magasins. Donc, je ne sais pas vous dire dans quel magasin ça se trouvait. Donc, ça ne me dit rien. J'ai pas eu le temps non plus de faire de petites recherches. Ensuite, je me suis trouvé, vous savez, les petits bracelets, voilà, qu'on passe comme ça. Alors là, il y avait plein, plein. Il y en avait avec des. Attendez, il s'en mêle. Il y en avait avec du blanc. Il y en avait avec des. Voilà.
Regardez, ça fait tout son petit effet, même cet été ou bien pour les fêtes. Ça peut être super sympa. Voilà. Et celui-ci, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de bijoux, hein, voilà, ça je vous les montre. Et celui-ci, j'ai payé 1,49 €. Voilà. Il y en avait avec des petits strass blancs. Bon, moi, je n'ai pas pris, j'ai préféré prendre celui-ci. Ensuite, je me suis trouvé deux petits autres bracelets. Allez, comme ceci. En rose gold. Il est super, super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, j'ai payé donc 1,50 €. Par contre, lui, c'est toujours de la marque Express by Parça. Et celui-ci était à 7,99 €. Prix d'origine. Ensuite, je me suis trouvé un autre bracelet de cette marque, un bracelet élastique comme ceci. Toujours de la marque Express et celui-ci était à 5,99 € prix d'origine et moi je l'ai eu à 99 centimes. Ouais, 90. Non, 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 j'ai dit bêtises. 1,49 aussi. 1,49 également. Ensuite, toujours de. Ben, on va continuer les bagues. Ensuite, je me suis trouvé des bagues de la marque Impulse. Comme ceci. Pour 75 centimes. Donc, j'en ai pris deux. Donc, toujours des bagues réglables. Comme ceci. Hop, j'ai pris celle-ci, une rose. Ça peut être sympa quand on met une petite tenue rose, etc. C'est voilà, c'est le petit, la petite finition. Vous voyez, avec, on dirait une espèce de marbré. Vous voyez, il y a des différentes couleurs de rose à l'intérieur. Et une pareille, mais une dans les tons violets. Toujours pareil, des petits reflets comme ça. Il y en avait une en forme de rond, mais bon, la couleur, elle ne me tentait pas. J'avais déjà des bagues cette couleur. Ensuite, de la marque Impulse, comme ceci, pour 79 centimes. Je me suis trouvé une bague, vous savez, élastique, une bague bleu ciel, comme ceci. Plutôt sympa. Ici, une sans marque à 50 centimes. Alors ici, par contre, j'ai pas enlevé. J'ai trouvé pas mal de petits bijoux cette fois-ci. J'ai oublié d'ailleurs de vous montrer un collier. Je vais vous le montrer tout de suite. Il y en a un peu partout là d'installer. Hop. Voilà, avec des petits strass. Comme ça. Toujours réglable. Hein. Voilà, je ne les ai pas serrés. Hein. Voilà. Pour 50 centimes, bon, franchement, j'ai trouvé également un collier comme ceci. Voilà, donc c'est une grosse chaîne, et ensuite c'est des perles comme ça. Et ou alors j'ai vu après, parce qu'elle fait chaîne, et en fait, hop, voilà, on le met comme ça, et ça fait deux grandeurs. Et celui-ci, on peut l'enlever. Celui en perle, on peut l'enlever et mettre autour de celui-ci un autre pendentif ou autre chose. Celui-ci, je ne sais plus le prix par contre. Je sais plus. Toujours de la marque Express pour 99 centimes. Je me suis trouvé deux paires de boucles d'oreilles et ils étaient vendus celles-ci à 4,99 € de base. Elles sont comme ceci. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont tournées en ce sens-là. Voilà. Et je me suis trouvé celle-ci qui était vendue, elle, à 4, à 3,99 € et je les ai également eues à 99 centimes.
Celle-ci, on peut les retourner quand même. Voilà. J'ai un petit sautoir. Comme ça, tout, avec tous les brillants. Et regardez, là, le brillant est là en haut. Et les droits. Donc, j'ai dit, pour mettre avec mon sautoir assorti, ça va être super sympa. Et voilà. Et 6 sont comme ça. C'est avec des clous, en fait. Hein. Donc, voilà, pour 99 centimes. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais acheté. J'y retourne la semaine, enfin en milieu de semaine dans un autre nos, donc j'espère refaire des trouvailles et je vous les présenterai. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!